donner davantage de pouvoir aux provinces, est-ce organiser la partition de la Nouvelle-Calédonie? Alors, ça prouve en tous les cas que tout peut faire polémique de nos jours. Cette polémique, il y a des pour, il y a des contre, elle est assez étrange dans la mesure où la partition de la Nouvelle-Calédonie, le partage de la Nouvelle-Calédonie en trois collectivités puissantes, trois collectivités qui furent également un partage politique de la Nouvelle-Calédonie, tout cela a été fait dans le cadre des accords Matignon il y a 30 ans. Ce n'est pas un simple découpage administratif qui a été effectué. D'ailleurs, dans le préambule, ce qu'on pourrait appeler le préambule des accords de Matignon, il est expressément écrit que la Nouvelle-Calédonie est un territoire fédéral constitué de trois provinces. C'est-à-dire que, grosso modo, en fédéralisme interne, nous sommes une fédération de trois provinces. Et donc la partition existe en gros oui, depuis 88. On peut appeler ça si une partition, mais c'est pas. Voilà, mais c'est déjà fait. Le professeur Fabron le rappelle fréquemment. Les accords de Matignon ont été des accords partitionnistes. Et ma foi, ça a rétabli la paix en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, tout le monde vit parfaitement, d'ailleurs, le système des provinces. Mieux d'ailleurs que le système du gouvernement et du Congrès. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, non seulement cette partition a été effectuée il y a 30 ans, mais en plus, elle a produit des effets positifs pour la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui ne serait pas plus rationnel quand même de revenir à un seul territoire, une seule assemblée et un gouvernement quand on parle d'efficacité? Bah écoutez, il faut tirer les enseignements du passé à un certain moment, parce que le territoire a été organisé comme ça. En 1980, il y avait une seule élection générale, l'élection des conseillers territoriaux, il y avait un seul conseil de gouvernement et il y avait donc une seule assemblée territoriale. Ça fonctionnait? Ça fonctionnait jusqu'au moment où il y a eu la revendication d'indépendance en 1975 et les indépendantistes ont de plus en plus revendiqué le pouvoir et ils ont souhaité que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante, kanak et socialiste, parce que dans une indépendance kanak et socialiste, ils avaient le pouvoir. Donc c'était une revendication de pouvoir qui a conduit aux événements. Et donc on peut recommencer le même schéma, mais ce sera à mon avis les mêmes résultats, parce que la revendication de pouvoir, elle existe toujours, même si elle a été considérablement atténuée, voire même pour l'instant annihilée en quelque sorte. Revendication de pouvoir, pas revendication d'indépendance, parce que nous vivons relativement en paix depuis l'instauration des provinces. Alors, donner davantage de pouvoir aux provinces, est-ce que ce ne serait pas faire reculer la démocratie? On l'entend aussi beaucoup dans ce sens. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans le système institutionnel? Il y a les communes qui sont vraiment les collectivités de base, les plus proches proximité des citoyens. Il y a ensuite la province qui est très proche des citoyens. Il n'est qu'à voir la vie quotidienne des agents provinciaux, des élus provinciaux, des exécutifs provinciaux. Ils sont en permanence auprès des citoyens, sur le terrain, auprès des établissements, auprès des habitants. C'est une collectivité de proximité que la province. Le gouvernement et le Congrès sont beaucoup plus éloignés des habitants. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que s'il y a démocratie, c'est-à-dire vraiment cette interactivité entre le peuple et ceux qui exercent le pouvoir, c'est vraiment au niveau des provinces que cette interactivité est la plus riche. Pourquoi donner davantage de pouvoir aux provinces serait l'évolution des institutions calédoniennes si le nom l'emporte au prochain référendum? Tout simplement parce qu'il faut savoir tirer les enseignements des périodes qui se sont écoulées. On peut évidemment avoir des œillères et ne pas considérer que la Nouvelle-Calédonie est née aujourd'hui. Elle n'a pas de passé. Mais la Calédonie a un passé, et elle a un passé douloureux de 84 à 88, avec le drame d'Ouvéa qui a été probablement le déclencheur des accords Matignon. Et puis ensuite, elle a un passé qui, sous l'empire des accords Matignon, puis des accords de Nouméa, qui s'est écoulé pendant 30 ans. Et donc, il faut en tirer les enseignements de cette période.
Il y a une première période qui est celle des accords de Matignon. Une période marquée par la prééminence des provinces, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement. Il y avait donc un conseil exécutif présidé par le haut-commissaire qui regroupait les présidents de province et le président du congrès qui coordonnait l'action des provinces. Une assemblée territoriale qui avait des pouvoirs qui n'étaient pas ceux que l'assemblée exerce actuellement. Et donc c'était vraiment la prééminence des provinces et cette période a été paisible et même fructueuse puisque le développement économique entre 90 et 2000, le développement du tourisme, les prémices du développement métallurgique, le développement métallurgique en lui-même, le développement économique, les innovations sociales, les grands programmes de logements sociaux ont été lancés à cette époque, a été une période extrêmement fertile pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a la deuxième séquence qui suit les accords de Nouméa, qui sont, de mon sens, des accords assez bâclés. Eh bien, la deuxième période, c'est de avoir une attitude beaucoup plus jacobine, recentrer le pouvoir en haut, au gouvernement et au congrès. On a instauré, donc, au travers des accords de Nouméa, un gouvernement qui n'existait pas avant. Et puis, on a donné beaucoup plus de pouvoir au pouvoir central, congrès et gouvernement, par le transfert des compétences. Et donc, quand on examine cette deuxième période, on a une succession de conflits internes qui ont conduit à des dysfonctionnements de ces institutions. Ça a commencé dès 2004 avec une difficulté qui a été résolue assez rapidement, mais une difficulté sur l'élection à la présidence du gouvernement. Mais elle a connu des pics avec notamment les 3 mois sans président du gouvernement à l'issue desquels Philippe Germain a été élu et puis la période actuelle. Et le congrès... C'était 2014. C'était en 2014, en 2014-15. Et le Congrès, qui est devenu une assemblée de plus grand pouvoir et qui est en plus celui d'élire le gouvernement, est devenu un enjeu de pouvoir politique avec un effritement des partis politiques, un émiettement des partis politiques, des luttes permanentes pour obtenir une majorité de composition, avec des revirements de majorité. Enfin, on voit bien toutes les manœuvres qui s'effectuent depuis des années pour aboutir à une majorité, mais au total, à une certaine instabilité de nos institutions. Et donc, quand on fait le total, le bilan de ces deux périodes, on a une période stable et prospère. C'est la période où les provinces ont été prééminentes. Et puis une période avec une certaine prospérité, mais marquée par l'instabilité, avec le pic d'instabilité qu'on connaît aujourd'hui. Et avec un gouvernement et un congrès au pouvoir renforcé. Eh bien, quand on tire les leçons de ce fonctionnement institutionnel, on aboutit à quelle conclusion ? Les provinces sont un espace paisible, où les choses se passent normalement, à proximité des citoyens et qui fonctionnent. Représentatif de la démocratie aussi. Et représentatif de la démocratie. Le reste, la démocratie d'en haut, en quelque sorte, ça fonctionne moins bien ou ça ne fonctionne pas. Ça aboutit à des blocages qu'on connaît aujourd'hui, à des situations qui peuvent être graves pour les Calédoniens. Et donc, dire on revient à un système où on va gommer ce qui ne marche pas bien et on va renforcer ce qui marche bien, ça me paraît logique, et cette logique, effectivement, elle va dans le sens davantage de pouvoir aux provinces. Ça me paraît être l'enseignement des 30 années qui se sont écoulées. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on supprime l'échelon gouvernement et congrès ? Alors, on lui donne moins de pouvoir. Après, ce sont des noms, ce sont des assemblées, on peut les nommer comme on veut. Il appartiendra aux élus. Alors il y a évidemment des forces divergentes entre les indépendantistes et les loyalistes. Il appartiendra aux élus de mettre le curseur là où cela convient. Mais si on tire la leçon des 30 ans écoulés, l'essentiel des pouvoirs devrait être exercé par les provinces. Si on veut un fonctionnement paisible et cohérent de la Nouvelle-Calédonie, il peut rester des domaines qui relèvent de l'intérêt général et collectif, je pense à la protection sociale par exemple, à la santé, mais qui ne sont pas forcément gérés par une assemblée élue ou un gouvernement. Et d'ailleurs, je reviens sur la prépondérance des provinces,
Vous voyez bien qu'il n'y a plus d'élections en général en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez bien que les seules élections locales, à part les élections nationales, les communes, etc., les seules élections locales qui demeurent sont les élections aux assemblées de province. C'est dire à quel point le partage en trois de la Nouvelle-Calédonie a été fort, puisque, bah oui, les seules élections aujourd'hui sont des élections provinciales. Le Congrès est constitué de membres des assemblées de province et le gouvernement est élu par le Congrès. Donc, deuxième degré. Troisième degré. Mais ensuite, c'est une question de bon sens. Ce qui est d'intérêt collectif peut être géré ou peut être conçu, on parle de principe directeur par exemple, par un organisme qui regrouperait l'intérêt des trois provinces, qui pourrait le gérer lui-même ou édicter des principes directeurs et laisser aux provinces le soin d'exécuter, de réaliser les principes directeurs. Donc, toutes les options sont ouvertes. Mais encore une fois, la raison commande qu'on favorise ce qui marche et qu'on essaye de gommer ce qui ne marche pas. Eh bien, merci beaucoup, Gaby Brio, pour tous ces éclairages et à bientôt sur une prochaine émission. Merci.